Nous sommes ici à Palaisolles, en province du Luxembourg, une des presque dernières imprimeries qui reprend la typo, l'offset et le numérique. Un typographe, c'est une personne qui manipule les caractères mobiles, caractères et clichés, qui peuvent être des clichés en nylon, qui peuvent être des clichés en cuivre ou en plomb. Les anciens sont en plomb. Il a le rôle aussi d'installer les différents éléments, vignettes, filets, et d'installer cette composition pour qu'elle soit prête à l'impression. Je travaille encore avec des anciennes machines dans un milieu relativement restreint et privé, je vais dire. C'est pour ça que je revendique mon statut d'artisan. Je réalise tout ce qui est travaux de ville, c'est-à-dire faire part de naissance, faire part de mariage, les souvenirs d'essais qui sont maintenant à la mode, tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Jadis, il y a une trentaine d'années, nous travaillions énormément avec un fabricant d'enveloppes qui nous fournissait des enveloppes de carton qui étaient imprimées ici sur cette presse. Et c'était principalement des enveloppes qui étaient fournies à des hôpitaux et à des radiologies. À l'heure actuelle, toutes ces radiologies ne sont plus fournies dans des enveloppes. Le système informatique est venu s'implanter et toutes nos radios, tous nos examens médicaux partent directement via Internet vers les différentes entités, les différentes cliniques, les différents médecins traitants. Donc c'est un marché énorme que nous avons perdu. Et systématiquement, il faut regagner ce genre de marché en se spécialisant dans une autre activité, un autre créneau qu'on a toujours fait, que j'ai toujours fait et que je dois continuer à faire. Mais il faut tous les jours, en arrivant à l'atelier, se remettre en question et voir ce que va être le futur d'un typographe et d'un imprimeur. C'est une machine qui est super bien conçue. Vous pouvez voir par exemple, au point de vue rentabilité, le retour de la forme a été accéléré pour augmenter sa productivité. Les principales difficultés de l'imprimeur, c'est le just in time. Je veux dire par là que le travail doit être réalisé le plus rapidement possible parce que le matériel, contrairement à ce qu'on peut voir, est obsolète, mais il reste de très 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 grande qualité et ça reste du matériel à 100% opérationnel. Je travaille régulièrement avec des grosses entreprises, des grosses imprimeries qui n'ont plus ce genre de matériel et qui ont parfois besoin de tracer, de découper. Ils n'ont plus, ils ont le système pré-presse, c'est-à-dire l'ordinateur, la fabrication des plaques, l'impression, mais ils doivent s'arrêter quand il y a de l'ennoblissement. Et mon imprimerie est encore à l'heure actuelle artisanale et encore nécessaire, parce que pour achever et ennoblir le matériel, l'imprimer, il faut utiliser de vieilles machines, et notamment avec cette machine qui est derrière moi, qui me permet, puisque nous travaillons avec des systèmes à pression, elle me permet, via une forme de découpe, de faire par exemple de la fabrication d'enveloppes, fabrication de boîtes, du traçage, des traçages très compliqués. Les entreprises qui me confient du travail sont tout à fait complémentaires et je leur rends leur monnaie de la pièce parce que quand il est question de travaux un peu plus importants qui sortent de mes compétences, je leur confie à mon tour mon travail. Il faut que je fasse bonne impression et comme mes confrères disent et se disent à eux-mêmes aussi, il faut avoir un bon caractère et on en impose.